Salut tout le monde, c'est Derka. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch sur GTA 5 Online pour pouvoir en quelque sorte avoir une moto indestructible ou plutôt pour ne pas tomber de votre moto quand vous allez faire des stunts ou autre. Donc pour commencer ce glitch, vous devrez sortir de votre garage avec une moto, peu importe laquelle, et donc une fois en dehors de votre garage avec votre moto, et ben votre ami va devoir monter donc à l'arrière de votre moto, et donc une fois qu'il est bien à l'arrière de votre moto, et ben vous devrez donc placer votre moto au même endroit que moi dans la vidéo, et vous allez mettre comme accès véhicule passager pour que votre ami reste bel et bien à l'arrière de votre moto même si vous n'êtes plus dessus. Et donc une fois que votre ami est toujours sur votre moto et en mode passager, et ben vous allez donc rentrer dans votre garage et vous allez y sortir avec n'importe quel véhicule. Et donc une fois que vous êtes en dehors de votre garage avec votre véhicule, et ben vous allez donc devoir y sortir. Normalement il va directement disparaître, mais vous inquiétez pas, vous allez quand même le garder. Et donc une fois que vous êtes sorti de votre véhicule, vous allez monter sur la moto et vous allez la prendre et vous allez vous retrouver avec votre ami dans Los Santos Custom pour pouvoir le réparer. Et normalement une fois que vous avez réparé votre moto, et ben elle sera donc indestructible. Donc ce glitch est vraiment pas mal pour les personnes réalisant des stunts, car au moins vous allez toujours rester sur votre moto et vous n'allez pas pouvoir y tomber. Au passage, dès que vous sortez de votre garage avec votre voiture et que votre ami est directement viré de votre moto, il faudra tout simplement refaire le glitch, car parfois et ben votre ami descend automatiquement de votre moto dès que vous sortez de votre garage. Donc ça arrive parfois, mais il faut tout simplement recommencer le glitch. Donc voilà, j'espère vraiment que ce petit glitch vous aura plu et surtout qu'il vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à mettre un petit pouce vert, ça me fera extrêmement plaisir. Au passage, n'hésitez surtout pas à venir me suivre sur Twitter et sur Facebook. Les liens se trouvent dans la description de la vidéo ainsi que le tutoriel de ce glitch. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos de glitch sur Call of Duty ou sur GTA qui arriveront très bientôt sur ma chaîne. Et ciao tout le monde, bye.